250 Saint-Cyrien, place Stanislas. Le samedi 13 avril 2013, la ville de Nancy a accueilli la 74e promotion d'élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Une cérémonie militaire a eu lieu dans le cadre de la prestigieuse place Stanislas, en présence des autorités civiles et militaires. Les jeunes officiers appartenant à la promotion de Castelnau viennent en Lorraine sur les traces et lieux de combat de leurs deux parrains. Oui, alors ce voyage que les élèves ont appelé « voyage sur les traces de nos parrains s'est déroulé en deux temps. Dans un premier temps, les élèves se sont concentrés sur la région de Charmes et de Vincé, donc au sud-est de Nancy. Et puis, dans un deuxième temps, ils sont allés sur un autre champ de bataille, celui de Morhange. Un parrain, sauveur de Nancy, pour guide de la promotion. La promotion de Castelnau a pour parrain deux figures. Premièrement, le général de Cuer de Castelnau, le sauveur de Nancy, qui a mené la deuxième armée pendant toute la Première Guerre mondiale, et son fils, Xavier de Castelnau, sous-lieutenant, qui est tombé à Morhange en août 14. Pour les élèves, c'est donc une symbolique de mémoire. C'est également une symbolique d'hommage à leurs deux parrains de promotion, mais également à la centaine de milliers de jeunes Français qui, pour reconquérir l'Alsace-Lorraine, en août 14, se sont élancés sur le plateau lorrain. À la veille du centenaire de la Grande Guerre, honorer aujourd'hui le nom de Castelnau est donc légitime. D'autant que trois des fils du général de Castelnau tombèrent sur le champ de bataille de 14, dont un polytechnicien et un Saint-Cyrien.